Salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais tout simplement vous présenter ce que c'est que la boucle. Et vous allez me dire, ouais, super la boucle, je sais ce que c'est, j'ai pas besoin de regarder. Ok, pas de soucis, si vous savez, je vous autorise à passer à une autre vidéo. Pour ceux qui veulent plus de précision sur la boucle, c'est parti. Donc la boucle, déjà, je rappelle que c'est le passage de la raquette dans le dos lors de la frappe au service. Ouais. Au smash, donc c'est la même chose. Donc c'est souvent le passage de l'armée, donc ici, quand on est ici, jusqu'au moment de la frappe, de l'impact de la balle. Donc le mouvement entre les deux se nomme la boucle. Voilà, donc je rappelle également au passage qu'un bon armé, le coude est à hauteur d'épaule, d'accord? Le coude n'est pas ici, il faut que la ligne des épaules et la ligne du bras soient alignées. Ici l'angle est de 90 degrés. Il n'est pas ici, sinon c'est pas bon, c'est pas un bel armé. Voilà, et la raquette bien sûr est vers le ciel. Donc il y a des petites variantes, on peut être comme ça, mais ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas être comme ça. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est que l'armé. Donc ici on peut basculer les épaules pour avoir un peu plus d'amplitude. Donc la boucle, c'est simplement le passage de la raquette dans le dos. Mais vous doutez bien que dans cette vidéo je vais vous donner une petite astuce pour que votre boucle soit un peu plus réussie. Donc je vais vous dire concrètement ce que moi j'entends par une boucle réussie. Donc quand vous êtes ici, ce que j'aimerais, ce que je désigne comme une bonne boucle, c'est une flexion du bras sur l'avant-bras et non pas le poignet qui fait descendre la raquette dans le dos ici. Donc pour moi une bonne boucle c'est flexion du bras sur l'avant-bras et une projection du coude vers l'avant et vers le haut pour pouvoir détendre le bras. Et ce qui est top, c'est de faire les deux en même temps. Plutôt que de faire d'abord ça puis le passage du coude, vous allez essayer de faire les deux en même temps. C'est je projette le coude et pendant que je projette le coude, le bras se plie, la raquette tombe dans le dos et je peux augmenter ma vitesse pour frapper. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la boucle. Donc attention à ce petit détail, c'est un défaut récurrent, la raquette qui tombe dans le dos grâce au poignet et non pas grâce à la flexion du bras sur l'avant-bras. Et bien sûr la coordination, passage du coude, flexion en même temps. Trop de joueurs font d'abord ça, puis le passage de coude. C'est tout pour qu'est-ce que la boucle. Donc voilà, je vais faire une série de vidéos. Donc cette vidéo était la première. Donc je vous dis à demain pour la suivante. N'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, essayez de la partager avec le plus de gens possible. Ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos sur les astuces. Voilà, moi je vous dis à demain. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des boucles au service, progressez. Et surtout, faites-vous plaisir. Ciao.